durant les trois dernières semaines, nous avons été dans une série un peu plus atypique. Cette série s'intitule « Vision, ouvrons nos yeux ». Et dans cette série où nous avons parlé de vision, nous n'avons pas simplement parlé parce que c'est une mode ou parce qu'on doit être stratégique ou visionnaire. Non, c'est parce que la Bible nous parle d'hommes et de femmes de vision. Dans la Bible, nous découvrons tout un tas d'hommes et de femmes qui s'attachent à une vision et que peu importe les circonstances, peu importe les défis, ils s'attachent à cette vision. Je pense notamment à Ehud. Ehud est un juge, il a une vision. Sa vision, c'est la libération du peuple alors que Moab a gagné contre Israël. Il s'attache à cette vision, mais il est seul à y croire, il est seul à croire en l'appel de Dieu. Tous les Israélites sont désespérés, ils se sentent perdus et ils ont accepté la domination de Moab. Mais Ehud s'attache à la vision de Dieu, il va tout seul faire une percée militaire contre le roi Eglon, le roi de Moab, et il va gagner. À l'issue de cette victoire, tout le peuple va se sentir tellement encouragé que le peuple va enfin le suivre et il va pouvoir entrer dans son appel. Il s'attache à sa vision de libération. Je pense à Bartimée. Bartimée a une vision de guérison. Il sait que Jésus peut le guérir, mais la foule l'oblige à être discret, à se taire, à ne pas se montrer. La foule l'empêche d'atteindre Jésus. Mais Bartimée va crier plus fort et encore, jusqu'à ce que Jésus l'entende, jusqu'à ce que Jésus accomplisse sa vision de guérison. Je pense à Pierre. Pierre a une vision du partage de la bonne nouvelle, du partage de l'évangile. Quiconque doit entendre la bonne nouvelle du message de l'évangile. Mais Étienne, diacre, est exécuté, Jacques, apôtre, est exécuté, Pierre est en prison, arrêté lui-même. Qu'en est-il du partage de la bonne nouvelle, du message de l'évangile? Mais Pierre décide de s'accrocher à la mission, de s'accrocher à sa vision, et Dieu va non seulement le libérer de la prison, mais Dieu va affermir la vision et la mission dans le cœur de toute l'église de Jérusalem, de telle sorte que quoi qu'il arrive, malgré la persécution ô combien intense, la mission va être effectuée, le partage de la bonne nouvelle de l'évangile va être effectué. Toute la Bible nous montre des hommes et des femmes de vision. Ils reçoivent quelque chose de la part de Dieu et ils s'y accrochent. C'est difficile, ils s'y accrochent, il y a la persécution, ils s'y accrochent, ils sont tout seuls, ils s'y accrochent, ils ne lâchent rien, ils concentrent toute leur force, leur foi, leur énergie, leurs ressources, leur attention et leur temps pour voir l'accomplissement de cette vision. Qu'en est-il de nous? Concentrons-nous toutes nos forces, notre temps, nos ressources, notre foi, notre attention, nos compétences, pour voir l'accomplissement de la vision de Dieu. Sommes-nous visionnaires? Rêvons-nous encore? Durant les dernières semaines, nous avons vu tellement de raisons qui nous poussent à rêver encore. Une des raisons qui nous pousse à rêver, qu'on a vu dans les dernières semaines, c'est que Dieu est visionnaire et puisque nous sommes son peuple, nous sommes son église, nous sommes appelés à marcher dans sa vision, dans son plan. Une autre des raisons que nous avons vues dès le premier dimanche, c'est que parce que l'église va bien, nous avons alors l'opportunité d'être visionnaire. Une des raisons que nous avons vues la semaine dernière, ce sont les autres. Le désespoir, la perdition, la souffrance, les blessures des autres nous poussent, nous obligent à être visionnaires pour eux. Et voici une autre raison qui nous pousse à être visionnaires. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous pousse à être visionnaires. J'aimerais vous lire un passage, il n'est pas affiché. C'est dans Joël au chapitre 3 ou dans d'autres traductions à la fin du chapitre 2. Voici ce que le texte nous dit. Joël parle de la bouche de Dieu et Dieu dit « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Ce sera un jour grand et terrible. Alors, toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. » Je répète, toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Il y aura des rescapés sur le mont Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les survivants que l'Éternel appellera. Je suis fasciné de ce passage. L'auteur Joël décrit de la part de Dieu qu'il y aura une période qui a débuté il y a plus de 2000 ans et qui est encore
notre période, une période où la lune est changée en sang, où le soleil est obscurci, où il y a de la fumée. C'est une période où les guerres s'intensifient, où les maladies, les pandémies, les conflits, les querelles, où tout se détraque, les catastrophes naturelles, tout tremble autour de nous. Mais dans cette même période, l'auteur Joël nous dit de la part de Dieu que toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Il y aura des rescapés. Dieu veut sauver. Il en est capable. Il est efficace pour cela. Il sait le faire. De même que la période paraît de plus en plus catastrophique, Dieu est capable encore et encore et encore de sauver. Maintenant, qu'en est-il de l'Église? Je déverserai mon esprit sur toute être humain, vos fils, vos filles, vos vieillards, vos jeunes gens prophétiseront, auront des rêves et des visions. Qu'en est-il de l'Église? L'Église est appelée à croire que malgré des situations catastrophiques, l'Éternel veut sauver encore. Ça doit être notre vision. Ça doit être notre rêve. Ça doit être notre prophétie, c'est-à-dire ça doit être ce que nous confessons, ce que nous disons, ce que nous déclarons. Nous sommes capables d'être visionnaires parce que le Saint-Esprit se déverse sur nous. Et lorsque je vois comment Joël, inspiré par Dieu, met en avant l'action nécessaire du Saint-Esprit pour qu'il y ait prophétie, rêve et vision, je me dis que nous ne pourrons pas devenir une église visionnaire grâce à une stratégie, grâce à du marketing, de la communication, parce qu'il y a quelqu'un peut-être parmi nous qui sait argumenter, un intellectuel qui sait faire quelque chose, ni parce qu'il y a quelqu'un de compétent, ni parce qu'il y a une chaleur humaine ou je ne sais quoi. Non, non. Nous pourrons être visionnaires si le Saint-Esprit prend toute la place en nous. Alors j'ai envie de dire que le Saint-Esprit prenne toute la place en nous. C'est nécessaire. Il y a une différence entre une touche, une action du Saint-Esprit et être rempli de l'Esprit. Et la Bible nous montre que le Saint-Esprit ne peut pas prendre toute la place s'il y a déjà une place qui est prise en nous. Le Saint-Esprit ne se mélange pas. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir un cœur humble, qui cherche la consécration, qui marche dans la repentance, qui a faim et soif de Dieu. Et quand je vois, je déverserai mon esprit sur toute chair. Je sais qu'il est question de la grâce de Dieu, mais je me demande, suis-je suffisamment affamé de la présence de Dieu pour que le Saint-Esprit ose venir dans ma vie? Suis-je en feu? Suis-je passionné? Sommes-nous en feu? Sommes-nous passionnés? Certains d'entre nous, nous nous rappelons de certaines périodes de notre vie, il y a 5 ans, 10 ans ou 30 ans. On entendait qu'il y avait une conférence chrétienne, on courait parce qu'on allait chercher la bénédiction de Dieu. On entendait qu'il y avait une veillée de prière, on courait pour aller chercher la bénédiction de Dieu et sa présence que nous voulions chérir. On entendait une personne qui était perdue, on allait lui déverser le cœur de Dieu. Pourquoi cette période? Parce que nous étions passionnés en feu. Quelle est la différence entre cette période et aujourd'hui? Je détesterais, ce matin, c'est la dernière prédication sur notre série Vision, je détesterais terminer cette série en disant, bon bah voici la stratégie qu'on va mettre en place, voici, on va aller à droite, puis ensuite on va aller à gauche, puis voici ce qu'on va faire. Je pense qu'il faut être au milieu de tout ça et je pense qu'on doit juste être rempli de l'Esprit. Mais je ne crois pas que le Saint-Esprit a envie de prendre toute la place si je n'ai pas terriblement et profondément envie qu'il prenne toute la place. Alors sommes-nous passionnés? Sommes-nous en feu pour l'œuvre de Dieu? Courons-nous vers le Père pour chercher ce dont nous avons besoin? Normalement, on est censé poursuivre, mais on va s'arrêter un instant. J'aimerais prier pour nous, justement pour que le Saint-Esprit prenne toute la place. Justement parce que
parce que nous ne pouvons pas avancer sans que le Saint-Esprit prenne toute la place. Alors, si vous voulez, on va se recueillir. Oh Dieu, tu dois prendre toute la place dans nos vies. Je ne veux pas simplement ouvrir la Bible et puis poursuivre la lecture et puis passer d'un argument à un autre, d'un point à un autre. Oh Dieu, je veux m'arrêter et je veux entendre ta promesse. Le Saint-Esprit peut se déverser en chacun d'entre nous et nous pouvons devenir ces hommes et ces femmes de vision. Mais vois notre passion qui manque. Vois notre feu qui s'est étouffé. Oh Dieu, je veux te remettre nos vies, je veux te remettre nos situations spirituelles. Ô Saint-Esprit, viens révéler à chacun d'entre nous ce qui bloque. J'ai en image certaines personnes qui ont été blessées dans leur foi, blessées dans l'Église. Des personnes qui portent depuis des années ces mêmes blessures. Parce qu'il y a eu des maladresses, parce qu'il y a eu des choses plus graves, parce qu'on a cautionné des choses qui n'auraient pas dû être cautionnées, parce qu'on n'a pas soutenu là où on aurait dû soutenir, parce qu'il n'y a pas eu la grâce là où il aurait dû avoir la grâce, et certains portent des blessures. Et ces blessures, c'est devenu un mur de séparation entre Dieu et vous. Je te prie au Saint-Esprit de venir toucher nos cœurs, dans le but que ce mur soit abattu. Viens guérir le cœur de ces hommes, de certains de ces hommes qui portent ces blessures, blessures fraternelles, blessures relationnelles. Oh Dieu, viens animer en nous quelque chose de nouveau. Oh Dieu, je vais prendre le temps dans ce moment d'intimité. Je veux que tu touches mon cœur, je veux que tu touches nos cœurs. Oh Dieu, j'ai également une image que je souhaite vous partager de certains d'entre nous qui portons des hontes. Parce que nous n'avons pas réussi à dire, nous n'avons pas réussi à faire, nous n'avons pas réussi à protéger. Nous n'avons pas réussi à avoir la position, le rôle que nous étions censés avoir. Et aujourd'hui, on est marqué par peut-être notre manque de responsabilité ou nos manques de moyens ou nos faiblesses. Et aujourd'hui, on a juste honte. Et tout le monde sait que nous avons honte parce que nous n'avons pas dit, nous n'avons pas fait. Et cette honte est aujourd'hui un mur qui nous sépare de toi. Et je te prie au Saint-Esprit de venir détruire ce mur afin que cette honte non seulement disparaisse, mais nous avons besoin au Saint-Esprit que tu prennes toute la place dans nos vies. Oh Dieu, je veux que tu t'adresses à ceux et celles qui marchent depuis X années dans la culpabilité parce qu'ils savent qu'ils ne marchent pas dans ton chemin. Je pense à certaines personnes qui vivent dans la dépendance, je pense à certaines personnes qui ont fait des choix qui ne sont pas à ta gloire et aujourd'hui on porte un masque pour se protéger, mais c'est un masque de culpabilité. Ils n'arrivent pas à vivre selon ta grâce, ils n'arrivent pas à vivre la liberté que tu promets, mais je te prie au Saint-Esprit, viens abattre les murs qui nous séparent de toi et viens Saint-Esprit prendre toute la place dans nos cœurs. Ô Dieu, nous ne voulons pas, nous ne voulons plus marcher sans passion et sans feu qui nous anime. Alors, ô Saint-Esprit, viens reprendre tout en contrôle dans nos vies, de telle sorte que nous redevenons ces hommes et ces femmes passionnés qui te cherchons. Ô Dieu, pardonne notre tiédeur, pardonne nos cœurs qui sont en train de mourir à petit feu. Pardonne-nous, alors que tu nous appelles à être visionnaires, alors que l'Église est prête à être visionnaire, alors que les autres sont dans une telle souffrance qu'ils ont besoin que nous soyons visionnaires. Mais pardonne notre tiédeur, ô Dieu, viens réveiller nos cœurs. Viens réveiller nos cœurs. Oh Dieu, je veux me rappeler des périodes où nous étions, certains d'entre nous, passionnés à courir après ta présence, à chérir ta présence, à être dans les larmes toutes les fois où tu nous parlais, à être à l'écoute de ta voix au Saint-Esprit. Je veux me rappeler de cette période, mais je veux m'en inspirer afin que nous puissions redevenir ces hommes et ces femmes passionnés. Oh Dieu, où est le feu? Où est le feu dans nos cœurs? Où est-il? Oh Dieu, je te prie vraiment de venir me réveiller, nous réveiller. Oh Dieu, je crois que tu peux faire quelque chose de tellement plus grandiose que nous pourrions imaginer pour nous, pour notre Église, pour nos enfants, pour la génération qui suit, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui sont autour de l'Église. Je crois que tu es capable de faire quelque chose de grandiose, mais tout va dépendre de notre cœur, de notre feu, de notre passion pour toi. Alors Dieu, je te remets nos cœurs entre tes mains. Et viens y faire une œuvre. Je veux te remettre spécifiquement ceux qui se sentent enchaînés et qui ont besoin d'une délivrance, qui ont besoin d'une libération. Tu connais les chaînes qui nous éloignent de toi, les chaînes qui nous clouent à terre et qui nous empêchent de venir à ta rencontre.
Oh Dieu, je te prie pour une libération de tous et toutes celles qui se sentent enchaînées. Oh Dieu, je ne veux pas sous-estimer le temps que nous sommes en train d'avoir, alors touche nos cœurs. Je veux t'ouvrir mon cœur, je veux m'attendre à toi. Solo bala la so ki beriso colo bala la so colo bala la so ki beriso colo bala la. Oh Dieu, vois notre église, vois chacun d'entre nous. Nos cœurs sont entre tes mains. Et nous avons besoin que tu viennes y déposer quelque chose de nouveau, quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui va changer nos habitudes, quelque chose qui va réorienter nos esprits, quelque chose qui va retirer la tiédeur de nos cœurs et y faire naître un foyer nouveau. Ô Dieu, ô Saint-Esprit, viens prendre toute la place et fais naître au sein de notre Église des prophètes, de ceux et de celles qui rêvent, de ceux et de celles qui sont visionnaires. Parce que nous avons besoin, face à ce monde qui va de catastrophe en catastrophe, nous avons besoin de voir des hommes et des femmes qui appellent ton nom, qui appellent l'Éternel et qui sont sauvés. Alors, Saint-Esprit, reprends toute la place dans nos cœurs, dans nos vies. Merci pour l'œuvre que tu es en train de faire. Oh Dieu, je te demande que ça ne soit pas une étincelle, je te demande que ça ne soit pas un feu de paille, mais viens affermir en nous ta présence. Je te prie également pour certaines racines qui sont dans le cœur de certains. Ces racines qui, peu importe le temps qui passe, elles restent, elles demeurent. Nous tentons d'évoluer, nous tentons de grandir, nous tentons de tourner la page, mais nous n'y arrivons pas parce qu'il y a ces racines qui sont là et qui nous empêchent d'avancer. Je te prie, oh Dieu, pour une libération. Tu as le sécateur parfait entre les mains pour pouvoir nous en libérer. Oh Dieu, nous voulons vivre cette libération par toi, alors je veux m'attendre à toi. Merci d'avance de ce que tu es en train de faire. Oh Dieu, n'arrête pas ce que ta main vient de commencer. Seigneur Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Écoutez ce que vous allez entendre et mettez en pratique. Un vrai chrétien, ce n'est pas celui qui vient le dimanche et qui casse son repas et son repas. Un vrai chrétien que le Seigneur aime, c'est celui dont le cœur a cœur avec le Seigneur. C'est intimité avec son Seigneur dans son quotidien. Le Seigneur veut vous aider tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Mais il y a un prix à payer. Et c'est la séparation d'avec le monde. C'est la séparation d'avec tout, tout ce qui vous attache à ce monde. Et le Seigneur vous aidera. Ce matin dans vos cœurs, un esprit de réconciliation. Seule la croix est le moyen de la réconciliation. Seul le bois du calvaire est le moyen de la réconciliation. Et lorsque vous aurez passé à nouveau par la croix, vous allez voir que le Seigneur met des fleuves d'eau vive. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Les promesses de Dieu ne doivent pas rester une théorie. Les promesses de Dieu peuvent être vécues et s'accomplir dans nos vies. Mais qu'en est-il de notre cœur? Qu'en est-il de notre passion? Qu'en est-il de notre repentance? Qu'en est-il de notre appétit pour la présence de Dieu?
promesses de Dieu restent aussi loin que notre cœur est aussi loin de Dieu. Et après 3 semaines à parler de vision, de ce que Dieu est capable de faire, nous devons refuser l'intellectualisation de ces promesses, mais nous devons aller les expérimenter. Nous n'avons pas un grand Dieu philosophe, nous avons un Dieu transcendant. Nous n'avons pas un Dieu maître d'école, nous avons un Dieu qui opère des changements dans les cœurs. Alors il est évident que certains d'entre nous portons des blessures, un poids de honte, certains un poids de culpabilité. Certains, les blessures sont tellement grosses que nous ne sommes plus capables de parler à Dieu. Mais nous pouvons également choisir d'entrer dans un nouveau chemin de guérison. Et je crois que Dieu honore toutes les fois où on cherche ardemment sa face, son action, la transformation de nos cœurs. Amen. On va avancer le diapo. On va avancer le diapo. Pas celui-ci. Pas celui-ci. Voilà, ok, on va s'arrêter là. Il y a ce passage qui va nous parler, qui va nous encourager ce matin. Un petit mot de contexte pour comprendre ce qu'on s'apprête à lire. Néhémie vient de prendre la résolution parce qu'il est touché, parce que ses compatriotes à Jérusalem sont au comble du malheur et du déshonneur, ils sont dans la ruine, alors il est touché. Et il choisit de faire confiance à Dieu. Contre toute attente, il y a, ou pas, une faveur inimaginable sur sa vie. Il a toutes les autorisations possibles, inimaginables, pour aller à Jérusalem et reconstruire les murailles de Jérusalem. À la seconde où tous les accomplissements, toutes les bénédictions, toutes les faveurs de Dieu sont comptabilisées et expliquées dans la Bible, voici le verset qui suit. C'est Néhémie chapitre 2, verset 10. Sambala le horonite et Tobija le fonctionnaire ammonite ont appris avec un très grand déplaisir que quelqu'un, Néhémie, arrivait pour s'occuper du bien-être des Israélites. Sambala et Tobija sont des chefs de nations ennemies d'Israël. Ils apprennent qu'il y a un homme qui se soucie du bien-être de Jérusalem. Ils apprennent qu'il y a un homme qui a choisi de faire confiance à Dieu, qui a choisi d'oser, qui a choisi de remettre sa vie, son projet, sa vision entre les mains de Dieu, c'est Néhémie. Et comment ils réagissent? Le texte nous dit du déplaisir, c'est tellement plus que ça dans les versets et les chapitres qui suivent. Ils vont menacer et attaquer encore et encore et encore. C'est-à-dire qu'au moment où Néhémie se positionne pour Dieu, l'adversaire menace et attaque. Lorsque l'adversaire attaque, quelquefois ça nous étonne, mais ça ne devrait pas nous attaquer. Ça ne devrait pas nous étonner que l'adversaire attaque. Je crois que toutes les fois où on choisit de prendre plus de temps avec Dieu que d'habitude, toutes les fois où on décide de le servir, toutes les fois où on décide de témoigner, toutes les fois où on décide de se consacrer, d'offrir à nouveau les dons et talents qu'il nous a donnés pour son service, toutes les fois où on décide de se positionner dans l'intégrité, l'adversaire se dresse. Il menace, il attaque. J'ai 3 choses à dire sur ça. Premièrement, Néhémie n'est pas dans son plan. Il est dans le plan de Dieu. Puisque c'est le plan de Dieu, à la fin, dans un jour, une semaine, un mois, un an, 10 ans, à la fin, il y aura la victoire, c'est sûr. Donc à la fin, ces deux-là, ils vont perdre, c'est sûr et certain. En attendant, il y aura les menaces, il y aura les attaques. Mais il est sûr d'une chose, c'est qu'à la fin, il y a la victoire. Et lorsque je vois cette victoire qui va forcément arriver à un moment donné, je pense à certains d'entre nous qui avons décidé de servir, de bénir, d'encourager, de se consacrer, de se sanctifier. On a choisi de s'attacher à Dieu. Et dès le lendemain de notre engagement, on a eu un problème de santé. On a eu un conflit dans la famille, on a eu une mauvaise nouvelle, on a eu une perte d'argent, on a eu des défis à droite et à gauche. Combien ont choisi de faire un pas dans l'obéissance et le deuxième, ça a été une attaque de la part de l'adversaire. Mais Sambala et Tobija vont perdre. Quoi qu'il arrive, dans une semaine, dans un mois ou dans un an, ils vont perdre. À nous tous qui servons, à nous tous qui obéissons, qui témoignons, notre corps est quelquefois couvert des blessures de l'adversaire, parce qu'il menace, parce qu'il attaque. Mais nous devons persévérer, parce qu'à un moment donné, il y a la victoire. Et je veux que ça nous encourage. Lorsque
Nos enfants, nos emplois, notre santé sont ébranlés à cause de notre obéissance. Persévérons encore un peu plus, parce que les Sambala et Tobija y perdent toujours. Deuxièmement, la présence des adversaires ne signifie pas l'absence de Dieu. Je me mets à la place de ceux qui sont autour de Néhémie et qui peuvent tellement facilement critiquer son plan, sa vision, sa consécration, sa passion pour Dieu. Il a tout abandonné pour partir à Jérusalem dans un projet qui est complètement fou, et ceux qui sont autour pourraient juste dire, bon, on va analyser, on va regarder si c'était le plan finalement de Dieu ou pas. Sambala et Tobija se dressent, ce n'était évidemment pas le plan de Dieu. Tu as vu les difficultés que tu rencontres? Tu as vu comment c'est dur? Ça ne devait pas être le plan de Dieu. C'est quelquefois, peut-être beaucoup trop souvent, notre façon de chercher la présence de Dieu. On regarde s'il y a plutôt des indices positifs ou plutôt des indices négatifs. On a l'impression qu'on fait de la divination à regarder s'il y a plus ou moins de signes positifs ou négatifs. Nous ne repérons pas la présence de Dieu avec des signes positifs ou des signes négatifs. Toutes les fois où c'est difficile, Dieu n'est pas là. C'est donc ça que nous devons en conclure. On a l'impression qu'on fait l'accumulation de signes positifs et négatifs, et à la fin, on va jauger, on va additionner, soustraire, et puis on va voir si Dieu est là ou pas. Nous ne constatons pas la présence de Dieu en fonction des signes ou des difficultés ou des bonnes nouvelles. Nous discernons la présence de Dieu parce que nous sommes habitués à passer du temps avec Dieu. Et tous ceux qui sont mariés, vous savez ce que c'est, parce que combien même il y a 1000 signes qui sont défavorables parce que vous connaissez votre époux et votre épouse, peut-être qu'elle va vouloir quand même faire ce qu'il doit être fait. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a de temps en temps, rarement parce qu'on n'a pas toujours l'opportunité, avec Joséphine on va faire les courses, et il arrive quelquefois que le magasin ferme bientôt, qu'on doit juste acheter 2-3 bricoles, qu'on doit se dépêcher, enfin bref, il y a tout un contexte qui montre que bon, bah, on va faire ça rapidement. Mais Joséphine me connaît, et elle sait que j'ai un petit passe-temps depuis quelques années, c'est j'aime faire tous les rayons et regarder tout, c'est devenu mon hobby. Ah tiens, le paquet est devenu rouge maintenant. Ah, ils vendent de ça aussi. Je fais tous les... J'aime, ça me détend. Je suis tout seul dans les rayons. Et puis, je viens à 20h, ça ferme à 20h30 le magasin. Et je suis là en train de regarder tous les rayons. C'est mon passe-temps. C'est-à-dire que 100% d'entre vous, si on va le soir à un magasin à 20h pour acheter 3 bricoles, on va juste acheter les 3 choses et repartir. Mais Joséphine me connaît. Et elle sait que je veux autre chose. Je veux prendre mon temps. Spirituellement, on fait trop souvent cette même erreur. On voit qu'il y a de la difficulté, on voit qu'il y a des défis, des épreuves, et on va dire, donc là, on calcule tous les indices, ça c'est positif, ça c'est négatif, ça c'est compliqué, donc Dieu n'est pas là, donc Dieu n'est pas dans ce projet parce que c'est difficile. Mais on ne discerne pas la présence de Dieu en fonction des points positifs ou négatifs, on discerne la volonté de Dieu parce qu'on passe du temps avec Dieu, parce qu'on connaît sa volonté, parce qu'on a suffisamment discuté avec Dieu, dialogué pour savoir ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Ainsi, même s'il y a des indices négatifs, Dieu pourrait souhaiter qu'on avance quand même. La présence d'adversaires ne signifie pas l'absence de Dieu. Troisièmement, Sambala et Tobija, tout le monde le sait, ce sont des adversaires, ils parlent comme des adversaires, ils s'habillent comme des adversaires, ce sont des adversaires. Dans le livre de Néhémie, il y a un troisième adversaire, très subtil. Ce troisième adversaire, il n'a pas d'armée. Il n'attaque personne. D'ailleurs, il n'a jamais dit qu'il était contre qui que ce soit. Ce troisième adversaire, c'est le prêtre Eliashib. Le prêtre Eliashib, c'est un juif. Il était là d'ailleurs avant Néhémie. Et puis, lorsque c'est le moment où chacun s'implique pour reconstruire la muraille, tout le monde reconstruit les portes, les battants et un pan de la muraille. Lui, il fait juste une porte. Pas autant que les autres. Quelques temps plus tard, lorsque c'est le moment de signer un engagement de reconsécration à Dieu, tout le monde signe, prêtre, noble, chef, responsable, tout sauf Eliashib. Quelques temps plus tard, Néhémie s'en va pendant une petite année, il retourne à la capitale, puis ensuite il revient. Et pendant cette absence, Eliashib vire le contenu de certaines pièces du temple et il y met Tobija, un des chefs de guerre, ennemi d'Israël. Quand on voit des Sambala et des Tobija, ils ressemblent à des adversaires. On les voit de loin, on sait qu'on va devoir résister, combattre contre eux.
Et quand on avance dans la vision de Dieu, on sait d'avance où vont être les obstacles, les défis, on est prêt, on se prépare pour ça. Et puis il y a des adversaires qu'on n'a jamais vus venir. On ne savait pas que c'était des adversaires, mais ce sont des adversaires. Le prêtre Eliashib est un adversaire qu'on ne pouvait pas imaginer. C'est un prêtre, c'est un des prêtres les plus importants, et pourtant c'est un adversaire du plan de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que ne sous-estimons jamais l'adversité que nous allons rencontrer. Parce que dans certains projets, on les voit, les défis administratifs, ou les défis financiers, ou les défis... On les voit. Puis à un moment donné, il y a un adversaire qui porte le nom d'Eliashib qui apparaît. Et là, on ne sait pas comment le gérer. Les théologiens disent qu'entre Néhémie et Eliashib, ça a été très compliqué et que Néhémie n'a pas su gérer Eliashib. Pourquoi Eliashib a fait autant de dégâts en interne ? Néhémie n'a pas su le gérer. Et je crois qu'il y a une partie des adversités que nous ne saurons pas gérer. Notre but n'est pas d'abandonner la vision. Notre but, c'est de rester solide, persévère. J'ai un de mes profs de théologie qui disait que Jésus, excellent leader, a perdu Judas. Néhémie a perdu Eliashib. Il est possible qu'il y ait certaines adversités, on ne gagne pas. Mais on doit s'attacher à la vision tout de même. On doit s'attacher à la vision. Amen. J'aimerais lire un dernier passage et je vais juste en dire une chose. C'est les versets qui suivent. Voici ce que le texte nous dit. C'est Néhémie qui parle. À mon arrivée à Jérusalem, j'y suis resté 3 jours. J'examinais la muraille de Jérusalem avec ses brèches et ses portes dévorées par le feu. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exercent une responsabilité. Je leur ai alors dit, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, levons-nous et mettons-nous au travail. Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Néhémie arrive à Jérusalem 3 jours après, il examine les murailles et il nous dit que les juifs, les responsables, prêtres, nobles, etc. ne savent pas quel plan il a. Et avant de poursuivre sur ce que le texte dit, l'auteur, Néhémie, nous parle noble, prêtre, etc. Et dans d'autres versions, on peut laisser, dans d'autres versions, là où c'est marqué « ni à aucun de ceux qui exercent une responsabilité ». Dans d'autres traductions, il est dit « ni à aucun des responsables des travaux ». Dans d'autres traductions, c'est « ni à aucun responsable des constructions ». Ça m'interpelle toujours le fait qu'il y a des responsables de travaux, de construction dans une ville qui depuis 10-15 ans est en ruine. Que font-ils? C'est quoi leur quotidien? Qu'est-ce qu'ils font depuis 10-15 ans avec une responsabilité de reconstruire, de bâtir, alors que la ville est encore en ruine? Le temple a été construit il y a plus de 15 ans. Excellent, merci Dieu pour cette faveur particulière. Et depuis 15 ans, rien. Pourtant, ne sont-ils pas responsables? Tout le contexte du livre d'Esdras et de Néhémie nous montre que justement, les Juifs qui sont là sont découragés. Découragés, totalement. Ils ne sont pas capables de faire à cause du découragement. J'aimerais qu'on mette la photo juste après. Vous allez reconnaître la photo? Normalement, vous allez reconnaître la photo. C'est notre église prise depuis ici, une photo comme ça. Cette photo, c'est mai-juin 2020. C'est-à-dire, on sort du premier confinement avec des restrictions particulières, etc. Cette photo me parle beaucoup parce que quand cette photo est prise, ça fait un an, petite année, que nous avons effectué la transition pastorale. Et d'avoir maintenant plusieurs collègues pasteurs, une transition, c'est toujours lourd, complexe et long. Donc là, ça fait tout juste un an. 4 mois avant cette photo, certains leaders et piliers de l'Église ne sont pas restés parmi nous. 3 mois avant cette photo,
c'était le début de la crise du Covid. Et quand je prends cette photo, il y a un petit peu de découragement. Il y a un petit peu de découragement parce que ce n'était pas le plan. Le plan, ce n'était pas une transition pastorale qu'on sous-estime toujours. C'est toujours plus difficile qu'on l'imagine. Le plan, ce n'était pas des défis internes. Le plan, ce n'était pas une crise, la crise du Covid. Ce n'était pas le plan. Alors, il y a un petit peu de découragement, ce moment. Ce qui a transformé les responsables des travaux à Jérusalem, malgré leur découragement, c'est Néhémie qui vient les voir et qui leur raconte comment la bonne main de Dieu a été sur lui, sur le roi, sur le projet. Ce qui nous sort du découragement, c'est quand peu importe la situation, ô combien profondément décourageante, nous choisissons de voir la main de Dieu, quand même. Dieu est quand même là. Dieu parle encore. Dieu a encore une issue de secours. Dieu a encore un projet. Dieu appelle d'autres personnes à se lever. Dieu offre les ressources. Dieu est encore là. Et Dieu parle encore. Et c'est étonnant de voir comment, en un instant, ceux qui étaient découragés depuis 15 ans se fortifient tous ensemble en disant « Levons-nous et mettons-nous au travail. » Je suis presque sûr que certains d'entre nous soyons découragés dans certains combats, dans certaines luttes. Et même justement pour l'Église, certains sont découragés sur ce que l'Église est. Découragés parce que plus de miracles, découragés parce que difficile de prier, découragés pour ceci, découragés pour cela. Et le découragement, il est peut-être profondément enraciné en nous. Mais est-il possible qu'il y ait des Néhémie parmi nous qui se lèvent et qui osent regarder à la main de Dieu qui est plus forte, plus pertinente que la situation et sa réalité. Il est nécessaire que parmi nous naissent des Néhémie, des personnes qui, il y a le danger, il n'y a pas le confort, il y a la sécurité, il y a le chaos, mais qui osent dire « je vois encore la main de Dieu ». Et toutes les fois où il y a ne serait-ce qu'un Néhémie qui se lève, c'est tous les autres qui sont encouragés. Évidemment, contre le découragement, il y a l'encouragement spirituel de Néhémie qui vient raviver un feu. Alors, chacun d'entre nous, on a peut-être dans notre famille, c'est peut-être le cas dans notre cercle d'amis ou de connaissances dans l'Église, c'est peut-être le cas dans notre milieu professionnel, d'avoir des personnes qui sont totalement découragées. Mais si nous devenons des Néhémie, nous les entraînerons. Si nous sommes remplis de l'esprit, nos prophéties, nos rêves et nos visions les entraîneront. Néhémie a su tout seul emmener tout un peuple paralysé depuis 15 ans. Que pouvons-nous faire si nous osons avoir un discours à contre-courant? Oser dire « c'est vrai que ça ne va pas ». Mais hier, Dieu m'a parlé, et puis la semaine dernière, Dieu m'a béni, et puis la semaine d'avant, voici comment Dieu m'a accompagné. Et s'il y avait des Néhémie parmi nous qui se levaient, que serions-nous prêts à bâtir? Le découragement, il nous paralyse en nous, de telle sorte que quand quelqu'un dit « on va témoigner, on va créer un projet d'évangélisation », non, on a déjà fait, ça ne fonctionne pas. On va faire ce genre de prière et puis maintenant on va organiser les choses comme ça parce que je pense que Dieu va pouvoir... Non, on a déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Et là, on va prier pour les malades parce qu'on veut croire que Dieu va se faire... Non, on a déjà fait, ça ne fonctionne pas. Mais s'il y a des Néhémie parmi nous qui disent, on va quand même le faire. On va quand même le faire. On va quand même persévérer, on va quand même prier, on va quand même s'attendre à lui, on va quand même évangéliser, on va quand même tout donner, on va quand même croire à l'appel des uns et des autres, on va quand même croire qu'une génération se lève, on va quand même y croire. S'il y a des Néhémie qui se lèvent, nous pourrons devenir des visionnaires. Il y a une différence entre la photo que je vois actuellement de nous et cette photo. Et la différence, c'est que le découragement ne nous a pas atteints. Mais que Dieu a poursuivi son œuvre.
Dieu n'a-t-il pas été présent depuis cette photo qui date d'il y a 3 ans et aujourd'hui? Dieu a été présent. Alors devenons des Néhémies. Reconnaissons sa main. Attendons-nous à lui. Encourageons la personne qui est à notre droite, qui y croit plus beaucoup. On va tellement le courager qu'elle va y croire encore et encore. Amen. Je m'en ai à l'équipe de louanges de me rejoindre. Et